Bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Vous étiez certainement devant votre télévision sur la chaîne L'Équipe pour suivre la manche française du championnat du monde disputée à l'OEAC il y a quelques semaines. Retour en championnat de France ce week-end, nous sommes à Mayenne et puis nous allons voir un petit peu le championnat. Nous avons commencé par Essay, puis nous sommes allés à Châteauroux, ensuite dans le Bordelais à Faleyras, ensuite Sarthe-Lavaray, Pont-de-Ruan. Nous sommes allés à Kerlabo, nous sommes ce week-end à Mayenne. Nous irons à Dreux, puis nous terminerons la saison à l'Essay. Julien va nous parler un petit peu du circuit de Mayenne. Cette fois-ci, c'est un circuit très particulier. Les pilotes devront vraiment se concentrer sur la préparation de leur véhicule. 1135 mètres, c'est un circuit relativement long, 16 mètres de large. Un petit peu de dénivelé, vous allez le voir, on a une cuvette, beaucoup de portions asphalte vis-à-vis de la terre, et puis toujours un joker très technique. Eh bien, comme à l'habitude, nous suivrons les demi-finales Supercar. Ensuite, on verra un petit résumé des finales Division 4 et Coupe Twingo. Puis, ce sera au tour de la finale Division 3. Ensuite, les deux dernières divisions du championnat de France, la Super 1600. Et nous terminerons donc par la finale Supercar. Et on va découvrir le tracé de Mayenne avec Emmanuel Anne au bord de sa Xara WRC. Donc, départ en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, un gros freinage suivi d'un virage à droite assez délicat. On attaque sur une ligne droite en terre, quatrième, cinquième, on rétrograde, troisième, deuxième. On passe une grande parabole à gauche, grosse réaccélération sur la ligne droite en terre. Vous voyez sur votre gauche l'entrée du tour joker, nous prendrons le tour normal. Ensuite quatrième, troisième, l'entrée du pif paf, très joueur, appui à droite, à gauche et un gros freinage suivi de la descente assez délicate, troisième, deuxième, et là on cale la voiture au pied gauche, on repart sur une grosse accélération en appui à droite, quatrième, on passe le virage, cinquième et nous franchissons la ligne d'arrivée. Les positions de la grille de départ de la demi-finale B Supercar. Fabien Payet est en pole position au volant de sa Peugeot 208. À ses côtés, on a Alexandre Teuil sur sa Citroën DS3 et Philippe Malouagne sur la Peugeot 208 de l'écurie britannique Albatec. Oui, en quatrième position, Florent Belluno sur la Peugeot 208 également. Guy Moreton avec la surprenante Volkswagen Sirocco. Troisième ligne, David Olivier situé à l'intérieur avec sa Dacia Logan. À côté de lui, une féminine Adeline Sanier, la pilote Siaco avec la Peugeot 207, et Laurent Chartrain, le troisième pilote du team Knapik avec la Citroën DS3. Allez Julien, on va rentrer dans le vif du sujet avec la demi-finale B donc de la catégorie Supercar et en pole position Fabien Payet, Alex Teuil et Philippe Malouagne à ses côtés. C'est parti. C'est parti, oui, très bon départ d'un petit peu partout d'ailleurs, puisque c'est surtout le pilote Albatec qui sort en tête, le pilote de la Peugeot 208. Qui se retrouve en tête, oui c'est ça, à l'issue du deuxième virage, puisqu'il est suivi par le pilote Intermarché, le pilote Payet Compétition, Fabien Payet lui-même, et c'est... Malouagne en tête, le vainqueur de Châteauroux, alors qu'Alexandre Teuil s'est engouffré dans le tour joker. Il n'y a pas eu de dominateur, Julien, sur les manches qualificatives. Les manches qualifs ont été partagées par plusieurs pilotes, notamment Fabien Payet ou Andréa Dubourg, ou Jonathan Payet, absent d'ailleurs sur cette demi-finale. Mais voilà, la place, il y a des places en finale à prendre. Et c'est bien parti pour Malouagne, devant donc Fabien Payet. Et Belluno, troisième effectivement avec la Peugeot 208 du team Artipol, troisième avec cette Peugeot anciennement championne de France. Et c'est la belle surprise, c'est la quatrième position de David Olivier, parti en troisième ligne. Et qui se retrouve actuellement quatrième avec sa Dacia Logan à moteur atmosphérique face à la concurrence à moteur turbo. Alors donc on sait qu'Alexandre Teuil a déjà pris le tour joker, on ne voit pas l'écran, je pense qu'il est dans les dernières positions. Est-ce qu'il est gêné par... Il est derrière Adeline Sanier, on vient de le voir passer. Pendant ce temps là c'est Laurent Chartrain qui vient de passer le tour joker, une tentative pour essayer de remonter et d'aller chercher les dernières positions qualificatives, pendant que Malouagne, lui, se maintient et garde à distance
le pilote Paillet Compétition. Ouais, c'est assez serré hein, sur ce début de demi-finale. 6 tours sont à parcourir. Malouagne devant Paillet, Bédunot, Olivier, la pilote féminine qu'on a plaisir à revoir après un accident domestique. Adeline Sandier sur sa Peugeot 207, Alexandre Teuil, Guy Moreton et Laurent Chartrain qui ferment la marche. Et pendant ce temps-là, c'est David Olivier avec la Dacia qui est rentré dans le tour joker. On l'a vu s'engouffrer. Il va ressortir juste à côté d'Alexandre Teuil. Ça va être très difficile pour aller récupérer cette quatrième position, synonyme de qualification pendant ce temps-là. Malouagne continue de dérouler, belle remontée ici, c'est pleine charge, les voitures sont à plein boost. Fabien Paillet qui continue de maintenir, il garde sa distance, il préserve la voiture. On le rappelle, hein, les pilotes Paillet Compétition qui ont eu des difficultés ces dernières épreuves, à plusieurs reprises ils se sont retrouvés en passe de remporter des courses et à chaque fois il y a eu un petit pépin. Allez, c'est parti dans le tour joker pour Fabien Paillet. Lui qui était actuel deuxième donc, de cette demi-finale devant Bédunot. C'est Bédunot d'ailleurs qui lui emboîte le pas, qui lui emboîte le pas, pardon. Et puis donc Malouagne qui continue sa marche en avant. Paillet et Bédunot ont récupéré leur place, hein, deuxième et troisième pour l'instant, devant toujours Adeline Sarnier, suivi par Alexandre Teuil. Exactement, Patrice, hein, très bonne opération pour Bédunot puisque lui il était en bagarre pour cette troisième position. Adeline Sarnier retient Alexandre Teuil juste derrière. Et David Olivier, actuellement sixième également. Alors, il y a les pilotes hein, qui devront passer par leur tour joker, hein, notamment le leader Malouagne, et puis il doit y avoir Adeline Sandier aussi qui devra l'effectuer. Est-ce que les positions vont changer d'ici deux tours hein, on est dans le quatrième tour. Voilà, Adeline Sandier, la pilote féminine, le pilote Yako s'est engouffré dans le tour joker. C'est assez lent au début de tour joker, comme vous pouvez le voir. Hein, gros ralentissement, et puis une accélération sur des gauches-droites. Elle récupère donc la piste normale et elle a dû perdre des positions. Et oui, elle ressort à la sixième place exactement, pendant que Philippe Malouagne, lui qui avait pris le tour joker également, reprend le leadership sur Fabien Paillet. Allez, Malouagne, Paillet, Bédunot. Oh, une fumée qui s'échappe de la DS3 du team Teuil Compétition. Est-ce que c'est les pneus qui fument à la sortie de cette longue remontée ou est-ce que c'est un problème technique? C'est très difficile puisqu'il a la quatrième position en ligne de mire. On le voit ici au fond de la longue ligne droite. Philippe Malouagne, pendant ce temps-là, déroule. Il est dans son dernier tour de qualification pour la phase finale. Ah oui, et puis c'est chaud hein, donc, pour la dernière place donc qualificative, la quatrième, entre Alexandre Teuil et David Olivier qui le presse. David Olivier, pilote d'une Dacia Logan, on le rappelle, la seule voiture en supercar moteur atmosphérique. Une demi-finale qui se termine avec une magnifique victoire de Malouagne devant Paillet, Bédunot. Et puis pour la quatrième, pas Julien. Et c'est Alexandre Teuil qui maintient, effectivement, c'était le pneu hein, qui touchait la carrosserie suite à un contact. Mais il le conserve la quatrième place, synonyme de finale. Les résultats de cette demi-finale B en supercar, victoire de Philippe Malouagne. Suivi de Fabien Paillet, puis Florent Bédunot, tous trois sur Peugeot 208. Alexandre Teuil est un beau quatrième. Et cinquième, surtout David Olivier qui passe in extremis. Seulement 3 dixièmes qui le séparent d'Alexandre Teuil, suivi d'Adeline Sandier, Laurent Chartrain septième et Guy Moreton malheureusement huitième de cette première demi-finale. Allez, grille de départ, Julien, de la demi-finale A en catégorie supercar et pole position pour Andrea Dubourg, le pilote bordelais, au volant de sa Citroën DS3, suivi du leader du championnat Firmin Cadedu et Christophe Jouet sur l'extérieur de la première ligne. Oui, avec une Citroën DS3, suivi d'une autre Citroën DS3, celle d'Hervé Knapik, le pilote du team Cdiscount. Patrick Guilherme en cinquième position avec une Peugeot 208. Emmanuel Anne avec la Citroën Oxara, le pilote mayennais se retrouvera en troisième ligne, accompagné de Fabien Chanoine, le deuxième du championnat, et Laurent Bouliou sur la Peugeot 207. Demi-finale à Andrea Dubourg en pole position à ses côtés, le leader du championnat Firmin Cadedu et Christophe Jouet à l'extérieur. Ouais, ça va être chaud puisqu'on a vu pendant tout le long du week-end un pilote Motul faire d'excellents départs. Mais là, on a le leader du championnat hein, qui doit viser gros face à Fabien Chanoine, parti derrière. Et c'est surtout la belle opération d'Hervé Knapi qui est venu se glisser à côté. Attention, ferme à Cadedu. Oh, c'est très chaud, ça se referme ici pour le deuxième virage. C'est Fabien Chanoine qui ressort très très large, cinquième, les pare-chocs-vol. Oh, c'est très spectaculaire. Allez, Andrea Dubourg, toujours en tête. Il y a un bon départ des pilotes du Knapik Compétition. Dubourg devant Christophe Jouet, avec Knapik. Il y a un pilote qui s'est engouffré dans le tour joker. C'est Firmin Cadedu qui ressort à la 5e position derrière Fabien Chanoine. Allez, Fabien Chanoine, dont la Clio a quelque peu souffert. On le voit sur l'avant de la voiture avec ce pare-choc
qui tente désespérément de se détacher. Ça a été un peu délicat hein, pour Fabien Chanoine, le deuxième du championnat qui reste sur deux victoires, les deux dernières victoires donc sur les deux dernières épreuves. Il est en demi-finale, il cherche une place donc en finale, un peu comme tous ses camarades d'ailleurs. Mais pour Fabien qui est resté sur une bonne dynamique hein, sur les dernières épreuves, il faut absolument se qualifier pour la finale sur cette épreuve de Mayenne. Pendant ce temps-là, c'est le pilote module du team de Gour qui est en tête et qui déroule. Hein, on l'a vu avec une voiture souvent très très vive. Le pilote bordelais qui a eu du mal durant le début du week-end à maintenir la puissance de sa Citroën DS3, mais qui prend la mesure petit à petit. On l'a vu gagner cette année, on l'a vu progresser à bord de cette voiture. Une voiture construite par le team Knapik. Et là, on a une, deux, trois voitures construites par la même équipe, leader de cette demi-finale. Allez, Dubourg qui reste sous la menace hein, donc de Christophe Jouet et Hervé Knapik. Même Fabien Chanoine n'a pas dit son dernier mot. 2 secondes 4 pour le pilote de Dreux. Et puis Firmin Cadeluc qui lui a déjà pris son tour joker. Et juste derrière, le pilote Renault. Et c'est Fabien Chanoine hein, qu'on vient de voir qui s'est engouffré dans le tour joker. Une trajectoire qui va devoir passer au millimètre. On le rappelle, les murs sont très très saillants. On a eu beaucoup de contacts dans ce tour joker. Un tour joker qu'on rappelle qu'on doit prendre une fois par manche, une fois par demi-finale et une fois par finale, obligatoirement, pour aller jusqu'à drapeau à damier. Allez, Fabien Chanoine, je l'ai vu au loin, vient de le prendre ce fameux tour joker. Allez, Dubourg, Jouet, Knapik, Cadeudu, voilà les quatre premiers en principe qualifiés pour l'instant après trois tours et demi de course. Derrière, on a Fabien Chanoine et puis on citera Guilherme, Emmanuel Anne, le pilote local, et Laurent Bouliou pour les autres Les autres demi-finalistes, hein, pendant qu'Andrea Dubourg prend le tour joker, c'est Christophe Jouet qui se retrouve en tête, le pilote Maranello, qui était assez pressant justement sur le pilote de la Citroën DS3. Andrea Dubourg qui ressort devant Firmin Cadeudu, la chasse au titre est ouverte. Fabien Chanoine s'est ressorti devant Hervé Knapik, quatrième. On va retrouver ces trois pilotes leaders du championnat en finale, c'est certain, à part si Hervé Knapik, le pilote Cédiscount, tentera tout jusqu'à la fin sur le pilote Tiaco. Allez, la victoire donc de cette demi-finale à qui va se jouer entre Christophe Jouet qui doit passer dans son tour joker hein, et puis Andrea Dubourg. On est sur la fin du quatrième tour. Oui, il reste encore un petit peu moins de deux tours. Cadeau du troisième, Chanoine quatrième, Hervé Knapik, on l'a rappelé, cinquième, pendant que Christophe Jouet prend le tour joker. Patrick Guilherme, sixième. Emmanuel Anne, le pilote, le sieur, le pilote mayennais, surtout avec la Citroën Xara, septième. Et là, on revoit Andrea Dubourg qui ressort devant Hervé Knapik. Ah, de justesse, devant Jouet. Devant Jouet, pardon. Jouet, donc deuxième, c'est serré, puisqu'on voit que Firmin Cadeudu remonte petit à petit sur les deux leaders donc, de cette demi-finale. Mais ça devrait être trop juste. Et on devrait arriver ici bientôt. C'est d'être le dernier tour. Avec toujours Dubourg, quelques dixièmes, 4 dixièmes devant Christophe Jouet et Firmin Cadeudu à une seconde. Oui, très spectaculaire hein, le pilote du team Maranello, puisqu'on l'a vu omniprésent derrière la Citroën DS3 bleue du team Dubourg. Il est toujours derrière, il glisse beaucoup moins, il a une conduite beaucoup plus fluide. Ça paye, Firmin Cadeudu en profite justement lui aussi pour revenir. Ça va être très compliqué en finale puisque là on le retrouve, les pilotes sont très très serrés. On le dit, une seconde d'écart entre les trois premiers à l'issue de ces cinq tours. Ah oui, et puis c'est la dernière donc, alors que Guilherme lui rend l'âme. Mais c'est le dernier passage dans la dernière épingle. Et voilà, c'est le passage sous le drapeau à damier. Victoire de Dubourg, joué Cadeudu. Et le quatrième qualifié est Fabien Chanoine qui revient de loin. Hervé Knapik, cinquième. Emmanuel Anne, le pilote mayennais, remporte une belle sixième place après un début de saison compliqué avec sa Citroën Xara. Voilà, bah Julien, écoutez, une finale qui promet tout à l'heure avec les pilotes les mieux placés au championnat qui seront présents en finale. Exactement, on va tous les retrouver avec en plus Fabien Payet, Alexandre Teun, Philippe Malouine surtout, qui a été très performant lors de sa demi-finale. Ah, un championnat qui tient toutes ses promesses et à trois épreuves hein, de la fin de saison, et rien n'est fait. Les résultats de la demi-finale A en supercar, et donc les quatre qualifiés sont Andrea Dubourg devant Christophe Jouet, Firmin Cadeudu et Fabien Chanoine. Et juste derrière, longtemps pressenti en qualification, Hervé Knapik, cinquième avec sa Citroën DS3, suivi d'Emmanuel Anne qui a fait vraiment une très belle performance tout le long du week-end.
Laurent Bouliou 7e et Patrick Guilherme qui finit 8e après avoir abandonné sur un problème mécanique. Après les demi-finales Supercar, petit résumé de la Division 4 et de la Coupe Twingo. C'est le leader du championnat Sébastien Leferrand qui est en pole position à ses côtés Kevin Jacquinet et Stéphane Hameau. Et justement, Kevin Jacquinet qui a totalement loupé son départ, il se retrouve dernier et pendant ce temps-là, c'est justement Hameau qui ressort leader devant Leferrand et Jessica Tarrière sortie troisième partie de la dernière ligne. Allez, l'objectif pour Sébastien Leferrand, c'est de signer un quatrième succès 2016. C'est bien parti. Il a pris ici le Tour Joker, mais Stéphane Hameau, son concurrent en 306 Maxi, ne s'est pas laissé faire. Oui, très gros rythme de Stéphane Hameau. Pendant ce temps-là, c'est Jean-Michel Guérin qui remonte petit à petit, d'une place par une place. Et Stéphane Hameau, justement, qui rentre dans le Joker et qui se loupe. On le voit, la voiture s'ouvre énormément. On l'avait dit, très technique ce circuit. Beaucoup de poussière ici dans le Tour Joker. L'enfilade se fait, Guérin le suit et ça n'empêche qu'il ressort devant justement Leferrand. Et Stéphane Hameau donc qui va signer ici, Julien, un second succès sur cette saison 2016 devant Sébastien Leferrand, tout juste devant Jean-Michel Guérin. Découvrons ensemble le classement général de la Division 4 avec une deuxième position ici à Mayenne. Sébastien Leferrant reste en tête de la Coupe de France avec 218 points devant Kevin Jacquinet 189 et Stéphane Hameau 188. Et c'est Guillaume Pinson, le quatrième avec 186 points qui recule petit à petit malgré que ça soit encore très très serré pour cette quête sur le podium de la Division 4. Cinquième, Jean-Michel Guérin avec 172 points, Florian Zavatin 147, Jessica Tarrière, la pilote mayonnaise, avec 131 points et Gilles Lambert 125 points. Allez, première ligne entièrement junior avec Tony Bardot, Julien Hardonnière et Marcelonnet en Coupe Twingo. Et c'est justement Marcelonnet, le pilote du team négoce, ici parti à l'extérieur, qui vient jeter sa voiture, un peu de dérive et il sort en tête facilement. Il va maintenant cravacher pour continuer à augmenter son avance pendant que Clément Jean ici part à la dérive devant Didier Morel à l'entrée du Tour Joker. Allez, on rappellera donc pour le classement junior Twingo bien qu'il y a un volant Super 1600 à gagner en 2017 et la lutte est ardue entre Julien Hardonnière ici dans le Tour Joker, Marcelonnet ou encore Tony Bardot ainsi que Alain Motet qui n'était pas qualifié pour cette finale. Oui, pendant que Mallet lui prend le Tour Joker, Tony Bardot enchaîne, Julien Hardonnière le suit, Nicolas Flon et Mathieu Moreau un petit peu plus loin qui reprend justement une qualification en finale. Tony Bardot ici dans le Joker, mais ça ne suffira pas, il ressort derrière Julien Hardonnière. Oui, Julien Hardonnière qui sauve quelques points par rapport à Marcelonnet pour championnat junior. Marcelonnet donc qui passe en vainqueur cette ligne d'arrivée devant Hardonnière, Bardot et Nicolas Flon. Les pilotes juniors dominent le classement général par points de la Coupe Twingo. Marcelonnet occupe la tête avec 309 points devant Julien Hardonnière 276, Alain Motet 265 et Tony Bardot 256. Oui, l'écart se creuse hein, derrière avec la cinquième position de Nicolas Flon avec 222 points. Mathieu Moreau suit beaucoup plus loin à 117 points. Alexandre Restellini, le vainqueur de Châteauroux, est à 115 points. Et Clément Jean, qui est mal récompensé de sa belle figure tout à l'heure, avec 84 points. Division 3 avec en pole position eh bien Christophe Senoy sur sa magnifique Toyota qui le manie de main de maître et à ses côtés devrait y avoir l'éternel adversaire Marc Maurice. En effet, le pilote Iaco sur sa Peugeot 208 que l'on retrouve une nouvelle fois confronté à son au leader du championnat. Mais ils auront fort à faire puisqu'on a David Vincent, le pilote breton, sur sa Renault Clio, la Renault Clio 4, découvert cette saison, à mi-saison, le pilote Guilherme, qui maintenant se met de plus en plus en avant. On le retrouve régulièrement durant les manches qualificatives, à côté de ses leaders. C'est le lancement, dans quelques instants, la procédure est lancée, c'est parti. C'est parti. Allez, il faut surveiller Christophe Senoy, toujours... excellent d'ordre de ses départs et c'est une nouvelle fois le pilote champenois qui prend la tête. Oui, derrière Marc Maurice une nouvelle fois et c'est surtout Mathieu Trévillon en partie de la cinquième position qui vient se qualifier. Oh, le contact, c'est Marc Maurice qui va frapper le rail de sécurité. David Vincent reprend la deuxième place devant Mathieu Trévillon. Alors là, c'est l'événement de cette finale Division 3. Marc Maurice, deuxième au championnat, qui pouvait peut-être essayer de revenir sur Christophe Senoy qui rend les armes sur cette finale. Alors que Mathieu Trévillon, lui, a pris le Tour Joker. Pendant ce temps-là, Christophe Senoy s'échappe devant David Vincent. Derrière, c'est serré. Il y a Delaunay, Avril et Trévillon qui ressort. Trévillon qui fait l'extérieur, sortie du Joker. Regardez, c'est fantastique sur Delaunay. Oh, ça touche. Bon, les contacts, ça a tapé l'oreille.
Ah, le pilote chronopneu qui ne lâche rien, il perd le capot. C'est fantastique. Une image spectaculaire. Julien, Mathieu, Trévian qui perd le capot de sa Sirocco. Voiture apparemment bien endommagée. On espère pour lui bien qu'il pourra terminer cette finale devant. On en a profité pour s'échapper. Et notamment avec le duo Christophe Senois, David Vincent. Ouais, le pilote BTI sur sa Corolla qui domine une nouvelle fois. Il s'échappe petit à petit puisque David Vincent se voit reculer plus d'une seconde, deux déjà après un tour. Le contact forcément avec Marc Maurice tout à l'heure à l'issue du premier virage l'a empêché de suivre le train d'enfer du pilote Toyota. Mathieu Trévian avec une voiture mais totalement dépouillée devant et se retrouve en troisième position après avoir pris son tour joker. C'est très important car les pilotes qui sont derrière ne l'ont pas encore pris comme Delaunay avec sa Mégane. Et devant, on retrouve une nouvelle fois le pilote métayer. Solide leader. Allez, il y a un petit écart d'un peu plus de 4 secondes. 4 secondes 532 exactement entre David Vincent et Mathieu Trévian. Il faudra combler cet écart, ce qui pourrait se faire lors du passage du Tour Joker pour David Vincent, le pilote à la Renault Clio. Pendant ce temps-là, Christophe Senois lui déroule. Il maîtrise. Voilà, j'en parlais justement. David Vincent est dans le Tour Joker, Julien. Il tente. Hein. C'est très particulier parce qu'il faut le prendre lorsqu'il est libéré. Vous le voyez, ce Tour Joker est très très resserré. Les murs de sécurité. Et c'est à nouveau le contact. Oh, Mathieu Trévian, très spectaculaire aujourd'hui, très en vert. Il ressort troisième. C'est David Vincent donc qui reprend cette deuxième place après ces deux Tours Joker pour l'un et l'autre. Pendant ce temps-là, celui qui en profite, c'est le pilote Toyota, toujours devant. Installé avec maintenant plus de 4 secondes d'avance sur David Vincent. Et oui, la lutte donc des suivants qui profitent au leader. Christophe Senois qui s'échappe petit à petit. Il y a maintenant 4 secondes 2. Christophe Senois, lui, qui prend à son tour le tour joker. On l'a vu, Mathieu Trévian cravache hein, pour revenir sur David Vincent et sur Christophe Senois. Mathieu Trévian qui reste sur une excellente performance lors des dernières manches. Vainqueur dans la Sarthe, 3e à Pont-de-Rouen et vainqueur à Clerlabeau. Et c'est la grosse bagarre pour la deuxième place. Ouais, mais une bagarre justement qui profite hein, à Christophe Senois. Il est ressorti de son tour joker, ce tour obligatoire avec une large avance. Il a maintenant plus de 2 secondes, voire 3 secondes même d'avance sur le pilote de la Renault Clio. David Vincent qui protège ses arrières. Il regarde dans ses rétros, il conserve cette deuxième place. Oui, 3 secondes 6 hein, d'avance pour Christophe Senois. Il est sur un très gros rythme, le leader du championnat. Et oui, alors que Mathieu Trévian qui voit à chaque fois au passage de cette épingle gauche, eh bien que Marc Maurice est arrêté sur les côtés. Marc Maurice était deuxième au championnat. Mathieu Trévian le suivait à 3 points. Une bonne occasion hein, pour le pilote à la Sirocco de passer deuxième du championnat derrière Christophe Senois. Et un pilote sorti tout droit de Mad Max, une voiture pulvérisée devant. On voit carrément les pneus. Le pilote justement, chronopneu, troisième derrière David Vincent. Pendant ce temps-là, les places s'enchaîne derrière et c'est David Leferrand avec la Peugeot 208 qui reprend la 4e position, Xavier Briffaut 5e, Franck Delaunay 6e, Patrice Avril 7e et Marc Maurice malheureusement contraint et arrêté justement dans ce virage-là. On le voit ici le long du rail de sécurité depuis le premier tour. Allez, l'écart est fait maintenant, ça devrait être bon pour une nouvelle victoire pour le pilote à Toyota, Christophe Senois. On ne sait par contre pas qui terminera sur la deuxième marche du podium entre David Vincent et Mathieu Trévian. Il y a des points à prendre, surtout pour Mathieu Trévian. Et puis, il y a de l'expérience à prendre pour David Vincent, puisque je vous le disais tout à l'heure, il faudra compter sur lui en 2017 au volant de cette Renault Clio qu'il développe petit à petit et qu'il commence à bien maîtriser, hein, puisqu'on le voit toujours maintenant aux avant-postes. Allez, maintenant, on est à la fin du 5e tour. On va rentrer dans le 6e. Et on le revoit une nouvelle fois, le pilote métayer qu'enchaîne, qui est vraiment très, très régulier. 46-1, 45-9. Les temps sont vraiment très très proches. Il oscille autour des temps de la catégorie reine du supercar. Il est vraiment très rapide. On le rappelle, 4 roues motrices. Un moteur en position souvent en position centrale arrière. Ici, on le voit justement sur la voiture que Mathieu Trévian nous propose. Une voiture totalement dépouillée où sont situés justement les radiateurs, les organes techniques, mais le moteur est positionné, lui, en position centrale arrière. Oui, rien ne semble avoir souffert hein, sur la Volkswagen Sirocco, en tout cas sur l'avant de sa voiture. Et il pousse Mathieu, on sent qu'il serait presque un petit peu plus rapide que David Vincent. Et en tout cas, c'est une nouvelle victoire pour Christophe Senois devant David Vincent et Mathieu Trévian. Voilà pour le podium, c'est David Leferrand qui termine 4e devant Xavier Briffaut. On voit Delaunay en bagarre pour la 6e place avec Patrice Avril. Et puis malheureusement, c'est Marc Maurice
qui ferme la marche donc de cette finale Division 3 sur ce circuit de Mayenne. On l'a vu contraint à l'abandon en début de finale. Allez, on va retrouver maintenant Christophe Sannois, le vainqueur de Mayenne, au micro de Julien Debin. Alors Christophe, on vous a retrouvé très dominateur. C'était le début de saison qui était fantastique. Il y avait eu une petite passe avec des leaders différents. Là, à nouveau, pole position et puis jusqu'au bout en tête. Ah oui, tout à fait. Je reprends un petit peu de points à Marc. Je ne sais pas ce qui s'est passé, un accrochage. Et puis à Mathieu, donc c'était très très important. Il ne fallait pas stopper ce week-end. Conditions de piste très changeantes tout le week-end. On a eu un super week-end, mais un petit peu de pluie ce matin. Il a fallu adapter nos réglages. Et pour nous, le week-end était parfait. On a mis les setups tout au bon moment. Tout était nickel. C'est une victoire qui était très importante, aussi bien pour mon moral que pour le championnat. Eh bien, Julien, encore un nouveau succès pour le pilote champenois Christophe Sannois. Et puis derrière, il y a un petit peu de grabuge. Eh oui, un premier virage toujours spectaculaire et surtout un deuxième virage beaucoup plus chahuté. Un méli-mélo qui se passe ici avec le pilote Marc Maurice qui se fait éjecter dans le rail de sécurité. Alors que justement, c'est ce pilote Mathieu Trévillan qui aura été au contact et qui se verra déclassé à la fin de cette finale. Ouais, petite sanction hein, pour le pilote de la Sirocco. Ça déroule pour Christophe Sannois qui, avec ce nouveau succès, bien, va encore creuser un petit peu plus l'écart hein, sur ses poursuivants Marc Maurice et Mathieu Trévillan. Et puis on notera aussi une belle performance d'une féminine, Julien. En effet, la pilote mayonnaise Anne Nortriguel du team Driving Experience qui s'est qualifiée en demi-finale pour sa deuxième course en Division 3. Ouais, c'était à noter. Classement général, eh bien, c'est Christophe Sannois avec 273 points qui mène devant Marc Maurice 244, Mathieu Trévillan 231, Clément Dupont 156, Franck Delaunay 133 et Patrice Avril 129. Ouais, le trou est fait avec David Vincent 123 et Henri Navaille qui n'était pas présent ce week-end avec 121 points. Petite nouveauté sur ce week-end de Mayenne avec la présence des Rallycross Légendes. On va découvrir un petit sujet sur ces voitures mythiques. Donc l'objectif, c'était de faire rouler des voitures historiques antérieures à 1993. Donc on a mis en place deux catégories, une catégorie 4 roues motrices et une catégorie 2 roues motrices. Et la particularité, c'est qu'on a des autos pilotées par des pilotes d'époque. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Ça nous permet de conduire des voitures historiques qui vraiment nous ont fait plaisir dans les années 80. Et là, je retrouve des sensations extraordinaires. Je crois que c'est un très, très grand moment partagé avec des bons amis et une très belle équipe. Voilà. J'espère que ça va perdurer encore et on se retrouvera sur d'autres épreuves. C'est le début d'un championnat qu'on va organiser. On devrait avoir 4 dates l'année prochaine et probablement 4 dates également en Europe. Julien, on va voir un petit peu ce qui se passe en Super 1600 maintenant avec donc Samuel Peu en pole position et puis à ses côtés Maximilien Evenot qui s'est fait remarquer lors de la manche française du championnat du monde à l'OEAC, ainsi que Enzo Linder d'ailleurs. Oui, le pilote du team Palkit hein, se retrouve en troisième position après sa casse de roues lors des manches qualificatives. Il avait été très rapide lors du samedi avec deux deuxièmes temps et surtout une très belle prestation d'ensemble. Derrière, on retrouve en quatrième position Jimmy Terpero ici avec la Citroën C2, le pilote Iaco et juste à ses côtés, Yvonique Jagu sur l'Audi A1, le pilote du team Jagu qui progresse, la voiture est de plus en plus compétitive. Oui, puis derrière, donc en troisième ligne, on l'entrevoit au fond, vous avez Grégory Fauss, à ses côtés la Dacia de David Moulin, et puis Pascal Hutto, encore une nouvelle fois en finale avec la Renault Clio R3, hein, donc qualifié en finale. C'est une nouvelle voiture dans cette division. C'est une autre catégorie. Hein, on parle de Super 1600 et en ce qui concerne la Clio, c'est un moteur 2 litres. Une voiture, on va dire, plus récente. Attention Julien, drapeau vert et départ donc de cette finale Super 1600 division toujours
explosive, c'est parti. Excellent départ hein, du pilote leader du championnat Samuel Peu. Mais on est à côté de lui, ça se resserre avec Enzo Limner qui sort en tête, le contact. Il repart 3ème, 4ème, 5ème. Beaucoup contact de avec Yvonique Jagu, il va peut-être même taper le rail. Et pendant ce temps-là, Samuel Peu ressort en tête devant Maximilien Henault, Jimmy Terpereau et Pascal Hutour. On en parlait justement à l'instant avec sa Clio R3, il est 4ème. Ouais, devant Yvonique Jadu et Ladi, et malheureusement en fond donc de peloton, mais on voit le pauvre Enzo Limner obligé de repartir 8ème suite à ce petit travers hein, donc dans le premier droit. C'est dommage, hein, le pilote de la Clio de la Twingo avait réussi un excellent départ. Devant, eh ben, c'est serré entre Samuel Peu, Maximilien Henault et Jimmy Terpereau. Et Maximilien Henault justement qui est très rapide, on le voit, qui met tout de suite la pression sur le pilote Eagle. Il est plus rapide, il est plus présent, il est beaucoup plus propre. Peut-être que ça a déstabilisé le pilote de la Citroën Saxo. Il regarde beaucoup dans ses rétros, on a vu la tête bouger. Il est déstabilisé, le leader du championnat, et pourtant il a la main mise sur cette catégorie. Mais là, il est déstabilisé. Alors un petit peu de pression peut-être sur les épaules de Samuel. On sait qu'en manche qualif, il y a eu beaucoup de contacts avec Julien Febraud, avec Jimmy Terpereau, etc. Bon, les esprits se sont un petit peu échauffés. C'est rentré dans l'or maintenant, on est en finale. Samuel Peu, il veut continuer à mener le championnat, ce qu'il fait magnifiquement bien depuis le début de saison. Mais derrière, eh bien, on ne s'en laisse pas compter avec l'essai 2 de Henault et Terpereau. Et derrière, Yvonique Jagu qui vient de prendre le tour joker. On avait peut-être entreaperçu aussi, c'était Enzo Limner qui, après ce souci sur le départ, avait lui aussi pris le tour joker. Ça ne suffira certainement pas, beaucoup trop de retard. Il avait, je pense, pas suffisamment laissé de place autour du rail de sécurité. Il avait pris pourtant le mètre qui suffisait sur Samuel Peu, mais il aurait dû enrouler un petit peu plus. Ça aurait permis, je pense, de sortir en tête. Samuel Peu en a profité. Et là, maintenant, il voit surtout un Maximilien Henault très, très performant. On a vu Pascal Hutto hésiter à prendre le tour joker. Pascal qui est à moins de 2 secondes. Un beau début de course hein, du pilote de la R3. Et puis, devant, on est pare-choc contre pare-choc. Hein. Moins de 8 dixièmes entre Samuel Peu et Jimmy Terpereau, actuel 3ème. Et 3 dixièmes de seconde entre Samuel Peu et Maximilien Henault. 3 dixièmes de plus avec Jimmy Terpereau. Ça permet de vous situer. On voit qu'il y a des voitures qui se suivent les unes après les autres. Ça correspond à 1 dixième par longueur de voiture. C'est très serré. Je pense que Maximilien Henault doit tenter quelque chose maintenant. Il n'a plus le choix. S'il veut franchir le cap de cette victoire sur le circuit mayennais, il doit tenter maintenant. Où c'est Jimmy Terpereau? Allez, Henault, dernier vainqueur. Beau vainqueur à Kerlabo. Et il y va. Et c'est parti, pour Henault. Stratégie donc dès le troisième tour. On est dans le quatrième pour Maximilien Henault, ça va peut-être payer. Et les trajectoires très tendues, ça l'emmène, ça l'a délaissé un petit peu. C'était compliqué, hein, la partie du tour joker est poussiéreuse. Il ne faut pas en faire de trop. Et il a fait exactement ce qu'il fallait. Il est ressorti troisième, il a réussi à garder Pascal Hutto en quatrième position. Il va chercher à remonter maintenant avec en ligne de mire Jimmy Terpereau. Et s'il refait le contact, ça va être compliqué pour Samuel Peu à l'issue du prochain tour. Allez, des trajectoires légèrement différentes entre Samuel Peu et Jimmy Terpereau. Samuel Peu qui sait que s'il gagne ici à Mayenne, eh bien il va creuser encore un peu plus l'écart au championnat, même si c'est pas fait hein, non plus. Mais bon, ça l'emmènerait hein, vers peut-être un nouveau titre. Et Samuel Peu qui s'est engouffré dans le tour joker ici. Il ne restera plus que Jimmy Terpereau, hein, en tout cas pour les trois premiers. C'est très large, c'est très large. Il va taper le rail. Non, ça passe. Mais c'est Maximilien Henault qui ressort deuxième. Samuel Peu qui tente l'extérieur. Oh, ils vont arriver à deux tours. Non, il relâche. Le pilote Stassem a vraiment mis un coup de pression sur le leader du championnat. Il ressort deuxième, c'est fantastique. Oui, Samuel qui a lâché hein, plutôt que de percuter le rail à l'intérieur. Allez, maintenant c'est Jimmy Terpereau qui mène. Il y a 8 dixièmes, une seconde, 8 dixièmes devant Henault, une seconde devant Peu. Jimmy Terpereau, lui, doit passer dans le tour joker. Donc ça va se jouer entre Maximilien Henault et Samuel Peu. Derrière, l'écart est fait sur Pascal Hutto et David Mulin pour les 4e et 5e. Il faut suivre ça de près. On va terminer du 5e tour. C'est passé pour le tour joker maintenant pour Jimmy Terpereau. C'est bon, ça passe. Ouais, il est rentré très très fort, il a jeté la voiture un peu de survirage, mais il est très rapide. Est-ce que ça va suffire? Non, ça passe pas. Et c'est le pilote Stassem qui reprend le leadership.
suivi du pilote de la Citroën Saxo, Samuel Peu et Jimmy Tercoro, toujours très proche. Mais attention, il reste encore un peu plus d'un tour, ça va être très serré, c'est la lutte pour le titre qui se joue entre ces pilotes. Allez, ces trois-là ne se seront pas quittés depuis le début de cette finale qui comporte 7 tours, comme vous le savez maintenant, depuis que vous nous suivez sur la chaîne L'Équipe. Allez, donc Evenot, Peu, Tercoro dans un mouchoir, nous sommes dans le dernier tour, si je ne m'abuse, Julien. Exactement, oui. Vous le répétez, Patrice, on est dans le dernier tour. Il n'a plus le choix. Le pilote de la Citroën Saxo doit tenter quelque chose s'il veut le reprendre, mais il est intelligent aussi. Il sait qu'il est leader du championnat. Il ne va pas tout tenter. Le Maximilien Evenot sur sa Citroën C2 a fait un excellent championnat du monde à l'OEA il y a quelques semaines. Il reste sur cette lancée. Il avait gagné Carlabo. Et là, il s'apprête à remporter une nouvelle victoire en championnat de France. Allez, sur ce mois de septembre, eh bien, et puis cet été, eh bien, c'est Maximilien Evenot qui se montre le plus fort. Il remporte une superbe victoire ici à Mayenne. Donc, sa seconde consécutive sur l'année 2016 après Kerlabo. Samuel Peu termine à 276 millièmes et Jimmy Tercoro à 6 dixièmes. C'est Pascal Huteau qui nous fait un excellent quatrième. Je crois Pascal qui signe ici son plus beau résultat. Il égale le résultat de la première manche 2016. C'était à Essé. Donc belle quatrième place de Pascal Huteau devant Yvonique Jagu, Grégory Fauss, David Moulin et Enzo Limner qui a malheureusement, je crois qu'on abandonné puisqu'il termine à 6 tours. Mais on va retrouver Maximilien Evenot, donc superbe vainqueur de cette épreuve de Mayenne, au micro de Julien Debin. Alors Maximilien, c'est vrai une nouvelle victoire, mais surtout une deuxième après celle de Carlabo. Le début de saison avait été un petit peu difficile dans la mise au point. Ça y est, tout est retrouvé. Oui, j'espère. C'est vrai qu'on est sur une bonne lancée là. Donc Carlabo, Loyac, Mayenne, c'est une suite de circuits que j'aime bien où généralement ça se passe très bien. Mais là, c'est incroyable. Quand enchaîner deux victoires de France de suite en championnat de France, c'est fantastique. Quoi. Donc et c'était pas gagné d'avance. Hein. Hier, vraiment, les chronos étaient serrés. On était 5 à se jouer à tourner dans le même dixième autour. Donc c'était vraiment serré. Samuel, on sait qu'il est extrêmement rapide. Donc faut jamais le laisser partir. Surtout, c'est ce que j'ai voulu faire à tout prix. Garder mon pare-choc dans le sien, dans son pare-choc arrière, le coller, surtout pas le lâcher. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout donné après dans le tour du jeu de tour joker. Je savais qu'il le prendrait le tour suivant. Donc c'est sur un tour. Il faut vraiment tout donner. Et là, ça a payé, c'est magique. Quel spectacle, Julien, au sein de cette division Super 1600, une nouvelle fois. Oui, on le revoit, des pilotes, ce petit noyau, Enzo Limner, ici, qui s'élance à l'extérieur, mais qui va se retrouver au contact avec Samuel Peu. Il ressort dernier, ça va être compliqué pour lui, il ne pourra pas repartir malheureusement, mais devant, on le voit encore, de nombreuses passes d'armes. Ouais, ça a été chaud entre Samuel Peu, Maximilien Evenot ici qui s'engouffre dans le Tour Joker et Jimmy Tercoro, hein, ses pilotes luttent pour le championnat Super 1600. Et oui, et surtout, on l'a vu, Enzo Limner qui vient de s'arrêter, certainement suite au contact du départ, qui a dû s'arrêter dans l'enfilade le long du Tour Joker. Voilà, Tour Joker extrêmement important au sein du Rallycross, et on le voit ici, puisque c'est Maximilien Evenot qui arrive à passer devant Samuel Peu. Donc, il y a eu un échange de positions, sachant que Jimmy Tercoro, ici à l'écran, donc, doit emprunter ce Tour Joker. Et c'est Maximilien Evenot, le vainqueur de Kerlabo, qui s'achemine vers une nouvelle victoire. Et une victoire très serrée, hein, des quelques dixièmes seulement entre ces trois pilotes que l'on retrouve chaque week-end, et une nouvelle victoire pour justement ce pilote nantais. Oui, avec le classement ici, Maximilien Evenot sur sa Citroën C2 donc, qui remporte cette course de Mayenne devant Samuel Peu, Jimmy Tercoro, Pascal Huteau, beau quatrième, Yvonique Jagu, Grégory Fauss, David Moulin et Enzo Limner qui ferment la marche. Et puis au classement général par points, on a Samuel Peu, donc toujours leader et qui a creusé encore un petit peu plus l'écart, 299 points, 30 points d'avance sur Jimmy Tercoro et puis Maximilien Evenot, beau troisième. Enzo Limner et Top Donna, absents, on le rappelle, sur ce week-end de Mayenne, font 4 et 5. Point d'orgue de ce week-end mayennais avec la finale Supercar. On va découvrir la grille de départ, Julien. Oui, avec Andrea Dubourg, hein, le poleman, il avait fait de très belles performances durant ses manches qualificatives. À côté de lui, Philippe Malouagne. Fabien Payet en première ligne à ses côtés. Derrière, on retrouve Christophe Jouet et le leader du championnat, Firmin Cadedu. Et puis en troisième ligne, Florent Béduneau, le pilote de la Peugeot 208, suivi d'Alexandre Teuil, le spectaculaire pilote de Cavaillon, et Fabien Chanoine, le deuxième du championnat avec sa Renault Clio.
C'est parti pour la supercar, Julien, avec Dubourg, Malouagne, Payet en première ligne. Attention, c'est parti. Avec le pilote du gars Racing qui avait fait de superbes départs tout le long du meeting. Et c'est le cas, et c'est Firmin Canodieu. Oh, c'est accroché. Et Firmin Canodieu, le leader du championnat, qui se retrouve au contact également d'Andrea Dubourg. C'était Christophe Jouet, oui, qui avait tenté un gros freinage pendant ce temps-là. Philippe Malouagne, le pilote Sam Shield avec la 208 du team Albatec, est en tête. Deuxième, Fabien Chanoine. Ah, excellente opération. Oui. Excellente opération pour Fabien Chanoine qui ne s'est lancé que de la troisième ligne, qui remonte petit à petit sur Firmin Canodieu au championnat et qui là donc se retrouve en seconde position. Apparemment, il n'y a pas d'arrêt de course, hein, Julien. Non, ça continue pendant ce temps-là. Fabien Chanoine, oui, le deuxième du championnat, reprend cette deuxième place. Firmin Canodieu arrêté en retrait. Hein. Voilà, le train avant est totalement passé. Le contact avec le pilote du DR Racing lui a suffi à abandonner sur cette épreuve. Pendant ce temps-là, Philippe Malouagne, le pilote Albatec, toujours en tête. Le pilote du DR Racing est arrêté. Voilà, des voitures un peu partout. Drapeau jaune, hein, c'est très, très attention, chaud. Attention là pour Firmin qui doit absolument se mettre à l'écart donc de la trajectoire. Il n'y a pas d'arrêt de course, hein, apparemment les voitures ne sont pas dangereuses, on va dire, pour celles qui roulent et qui restent en compétition. Fabien Payet dans le tour joker. Oui, après Florent Bédunot, hein, tout à l'heure, qui l'avait fait dès le premier tour, le pilote Jémy Hartipol sur sa 208, qui lui était sorti du tour joker et qui en profite d'ailleurs et qui sort troisième. Très belle opération pour ce pilote qui découvre la catégorie supercar. Devant le pilote du team Payet Compétition, le pilote Payet Compétition qui a beaucoup souffert cette saison avec des problèmes et qui cette fois-ci avait qualifié sa voiture en première ligne. Allez, un petit point au classement après deux tours. On a donc Philippe Malouagne, 8 dixièmes d'avance sur Chanoine. On a Bédunot ensuite à plus de 2 secondes, Fabien Payet à plus de 3 et Alexandre Teuil qui doit fermer la marche mais à plus de 13 secondes. On a vu tout à l'heure un très très mauvais départ pour Alexandre Teuil, apparemment peut-être des problèmes sur sa monture. Oui, pendant ce temps-là, on le voyait, Firmin Canodieu arrêté, on le rappelle, suite à un contact sur le premier virage. Le départ a été très mouvementé entre les premiers de cette grille de départ. Malheureusement, il est vraiment arrêté dans un endroit très dangereux. Ils auraient pu arrêter à un moment donné la course, mais la voiture s'est stoppée. Firmin Canodieu, par sa jeunesse, aurait dû arrêter sa voiture un petit peu plus tôt. Il est dans un endroit très litigieux, ça a obligé le drapeau jaune. Aucun pilote, je le rappelle, ne doivent passer, ne doivent se doubler à cet endroit-là. Voilà, écoutez, c'est ici même hein, donc, que la voiture donc, de Firmin Canodieu est stoppée. On voit le drapeau jaune. Et derrière, bien, ça frotte entre Bédunot et Payet pour la dernière marche du podium. Tandis que devant, on a toujours Fabien Chanoine. Donc, bonne opération hein, pour le pilote de Dreux. On va voir, ça devrait se resserrer un petit peu au championnat, hein, puisque Firmin va perdre gros sur cette finale. Donc, Chanoine, Malouagne, Bédunot et Payet pour les 4 premières positions. Mais ça va être très serré, hein. Je vous l'annonce. 2 secondes seulement dans le tour précédent entre Fabien Payet qui avait pris son tour joker et Fabien Chanoine. 2 secondes, c'est le temps qui se sépare entre un tour normal et le tour joker. Ça va être difficile pour le pilote Yako. La voiture, vous l'avez vu, bloque de l'arrière. Elle survit, il cherche à la maintenir. Pendant ce temps-là, Philippe Malouagne cherche à conserver cette deuxième place proprement. Il conserve et il s'enrichit de l'expérience des meilleurs. C'est un jeune pilote en quelque sorte hein, dans la catégorie supercar. Il n'avait fait que quelques courses des saisons passées. Et pendant ce temps-là, Fabien Chanoine est dans le tour joker. Allez, on va regarder, voir sortir le pilote de Dreux. Et c'est Malouagne qui passe. Et peut-être que Chanoine va perdre 1-2 places. Oh, ça, ouais, ça, c'est tapé. Ça a tapé entre Bédunot et Chanoine. Et le pauvre Chanoine là, qui, de premier, se retrouve quatrième. Et la grosse opération, c'est le pilote Intermarché, le pilote du team Payet. Fabien Payet, le fils de l'ancien champion d'Europe de rallycross, Jean-Luc Payet. Aujourd'hui, il vient de faire une très bonne opération. Il a pris son tour joker. Il est derrière Philippe Malouagne. Il n'a plus qu'à chercher à remonter, continuer à mettre la pression et surtout conserver le pilote Hartipol juste derrière lui et de conserver cette place prétendante à la victoire. Allez, des pilotes présents, eh bien, le plus menaçant pour le championnat, c'est Fabien Chanoine. Il se doit de remonter sur ses camarades pour essayer de marquer un maximum de points, de profiter donc des mésaventures de Firmin Canodieu, le leader actuel du championnat. Ici, emploi Fabien. Devant, eh bien, Philippe Malouagne, une seconde d'avance, un peu plus d'une seconde d'avance sur Fabien Payet. Philippe Malouagne qui se verrait bien doubler la mise cette année après sa victoire à Châteauroux. On le rappelle, hein, Andrea Dubourg, deuxième troisième du championnat. Firmin Canodieu, leader du championnat. Ces deux voitures sont arrêtées. On le voit, l'une dans le bac à sable, l'autre au bout de cette petite ligne droite avec un freinage toujours très difficile. On le voit, la C4 est arrêtée. Le pilote Tastar
est bloqué maintenant, le train avant est saturé. Ils sont tous maintenant en quête d'une victoire, ils sont quatre en piste. Les autres ont dû abandonner, ça a été très très chaud. C'est le supercar, c'est le rallycross et c'est sur la chaîne de l'équipe. Oui, donc l'épreuve de Mayenne hein, qui pourrait peut-être, Julien, être le tournant donc de cette saison avec ses mésaventures pour Cadedu et Dubourg. Malouagne qui déroule maintenant et qui va remporter donc un second succès. Voilà, c'est fait. Belle victoire de Philippe Malouagne devant Fabien Payet. C'est serré derrière entre Payet, Bédunot et Chanoine classés dans l'ordre. Fabien Chanoine qui échoue pour 4 petits dixièmes hein, sur Bédunot. Bon. Fabien marque des points, ça a été plus délicat. C'est vrai que dans les manches qualifs, il faut rappeler qu'en rallycross, tous les points comptent. Les pilotes marquent des points en manche qualif, en demi-finale, en finale. Et on fait les comptes à la fin du week-end. Il y a des points marqués pour Fabien Chanoine, mais il y en a eu également, bien sûr, pour Firmin Cadedu et Andrea Dubourg, même si ceux-là ont été contraints à l'abandon. Lors de cette finale, on voit le pauvre Alexandre Auteuil oui, en proie à des soucis hein, sur sa Citroën DS3 qui en termine donc de cette finale et qui sera classé donc cinquième. Voilà, donc un championnat qui va se retrouver resserré. C'est bon, ça pour le suspense. On voit malheureusement les dégâts hein, sur la voiture de Firmin Cadedu. Il y a quelques soucis aussi sur la voiture de Fabien Chanoine. Alors Firmin qui devrait rester, je pense, hein, donc leader du championnat, malgré cet abandon en finale. Et on aura tout à l'heure donc Julien Debain aux côtés de Philippe Malouagne. Philippe, comme le disait Julien, mais débutant, c'est vrai, débutant dans cette catégorie supercar. Et il apprend vite, l'ancien pilote de motocross. Hein, il a déjà signé un succès à Châteauroux, il écoute les conseils. Il est très bien entouré par l'écurie britannique Albatec, écurie dans laquelle il est engagé donc cette année sur ce championnat 2016. Fabien Payet qui signe un résultat ici à l'écran avec donc cette deuxième position. Hein. C'est vrai, comme le disait Julien, les Payet qui n'ont pas été épargnés par les soucis. Depuis le début de saison, Fabien il avait remporté deux manches qualif samedi. Il y a eu un petit souci au warm-up. Il s'est bien récupéré pour terminer deuxième. Et son frère Jonathan a eu des soucis, lui, toute la journée du samedi. Et il a terminé ce matin par une victoire en quatrième manche qualif. Mais malheureusement, pour lui, il n'était pas qualifié pour la suite du meeting. Allez, Philippe Malouagne au micro de Julien Debain pour... connaître ses impressions sur cette finale de Mayenne. Philippe, alors on est sur le circuit du réglage. Mayenne est vraiment un circuit particulier, du bosselet au bout de la ligne droite. Vous avez vraiment très bien travaillé avec le team Albatec. Cette victoire, c'est aussi une victoire d'équipe alors ? Oui, absolument. C'est une victoire qui a été difficile parce qu'on a été déclassé d'une manche qualif. Donc ça a été très très dur, mais effectivement, le team M-Technology, ils m'ont réglé une voiture, je dirais, fantastique. Bon, après, il faut faire le job, il faut s'en occuper. La voiture va vraiment bien. Mais moi, je prends de plus en plus d'expérience. Ce circuit, j'étais venu rouler un petit peu avant. Et du coup, bon, j'étais relativement à l'aise, on va dire. Et donc, je suis vraiment, évidemment, extrêmement content parce que ça faisait un moment depuis la victoire de Châteauroux. Le podium, ça commençait à traîner un petit peu. Le Châteauroux, sous la pluie, il fallait plutôt piloter très, très fin, essayer de doser, de ne pas en remettre, d'être patient, etc. Ce que je pense, je sais faire au départ. Par contre, attaquer sur ce circuit ici, sur le sec, attaquer fort, ça j'étais pas encore habitué à le faire. Maintenant visiblement ça commence à venir, donc ça je suis content de progresser sur toutes les surfaces, on va dire, c'est clair. Eh bien Julien, comme ça peut arriver parfois en rallycross, un départ chaud bouillant en supercar. Une nouvelle fois Mayenne l'a prouvé, et c'est ici Christophe Jouet qui arrive au contact avec le pilote du team Dubourg, Andrea Dubourg justement. Le poleman s'est vu percuter et a emmené avec lui le malheureux ici, on le voit, Firmin Cadedu, le leader du championnat, qui ne pourra pas défendre sa position sur l'ensemble de cette finale. Voilà, et bien donc des favoris du championnat hein, qui restent sur le carreau, mais comme le système de points en rallycross est assez serré, eh bien ce championnat n'est pas joué, loin s'en faut. Il ne bouge d'ailleurs pratiquement pas par rapport à la manche précédente de Kerlabo. Alors le rescapé, on va dire, des favoris du championnat, bah, c'est Fabien Chanoine hein, qui va terminer en quatrième position de cette course. On le voit ici qui ressort de son tour joker, mais malheureusement en queue de peloton. Et une magnifique victoire de Malouagne.
devant à nouveau. On le rappelle, le valeureux Fabien Payet, puisqu'il avait vécu un très mauvais début de saison, suivi de Florent Bédunot, Fabien Chanoine, donc 4e, Alexandre Auteuil, 5e, et surtout les malheureux Andréa Dubourg, Firmin Cadedu et Christophe Jouet qui sont restés sur le carreau. Voilà, donc on va voir maintenant le classement par points. Ici, Firmin Cadedu reste leader, donc 20 points d'avance sur Fabien Chanoine. Et puis Andréa Dubourg apparaît en 3e position avec 200 points. Et 4e, Alexandre Auteuil, Philippe Maloigne avec 179 points remonte effectivement, Florent Bédunot 168 points, Hervé Knapik qui n'était pas en finale 7e avec 109 points, et David Olivier en 8e position avec 106 points. Eh bien Julien, ce week-end mayennais se termine sur une finale supercar extrêmement spectaculaire. Le championnat est loin d'être joué, il touche à sa fin, il ne nous reste plus que deux épreuves. Dreux dans 15 jours et Laissé d'ici un mois. Vous serez certainement devant votre chaîne de télévision sur la chaîne L'Équipe pour suivre ces deux dernières épreuves. Julien, merci et à bientôt. Merci Patrice et merci à vous les téléspectateurs de la chaîne L'Équipe de suivre de plus en plus le rallycross français et international.